are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, la randonnée de fond musical se poursuit avec le même et réel plaisir, mais aussi avec toutes les belles histoires, les belles chansons qui vous sont proposées, bien sûr, dans ce programme. Voilà. Et nous passons au creuset, bien sûr, différents chants qui font votre bonheur. En ce jour, nous recevons quelqu'un de bien, qui est d'ailleurs une étoile montante, qui évolue au sein du bâton d'Aaron, voilà, et qui se produit merveilleusement bien sur la ville de Lubumbashi, mais aussi dans ce groupe. Il s'agit du frère Prince Mufuankolo, bien sûr. Avec lui, nous allons parler Ekimelo dans cette émission, mais aussi nous ne manquerons pas également de parler d'une de ses interprétations titrée Nanou et Silité. Voilà, très chers téléspectateurs, Papa Prince, bonjour et bienvenue. Bonjour Frère Cédric, merci beaucoup. Alors, Prince Mufuankolo, vous êtes de la famille Mufuankolo, de l'artiste emblématique du théâtre congolais? Non, je ne suis pas de la famille Mufuankolo. Voilà, Mufuankolo Walesa, bien sûr, Mufuankolo Walesa. Mm-hmm. Moi, je suis Mufuankolo. Mufuankolo. C'est juste coïncidence, voilà. Des noms, bien sûr. Ah oui, voilà, très chers téléspectateurs, une petite nuance. Mufuankolo, bien sûr, c'est le frère Prince, à différencier, bien sûr, de papa du patriarche Mufuankolo. Voilà. Alors, vous évoluez au sein du bâton d'Aaron? Oui, c'est notre groupe. Mm-hmm. Nous évoluons là sous la responsabilité du pasteur Johnny Aaron. D'ailleurs, pasteur Johnny Aaron, que nous saluons en passant. Vraiment. Alors, c'est quoi le fait que vous évoluez au sein du bâton d'Aaron? Mais vous avez quand même des titres. Bien sûr, c'est le groupe Bâton d'Aaron qui nous réunit, qui réunit les grâces. Mm-hmm. J'ai bien dit sous la responsabilité du pasteur Johnny Aaron. Mm-hmm. Et il s'est fait que nous avons aussi un message que Dieu nous a donné. Mm-hmm. Quoi que nous sommes sous sa responsabilité, mm-hmm. Il nous donne aussi, nous offre aussi les occasions de pouvoir écrire un chant et chanter aussi, célébrer, exprimer, comme on pouvait le dire. Donc, Ekimelo, c'est sous la bénédiction du pasteur Johnny Aaron. Bien sûr. D'ailleurs, c'est le pasteur Johnny Aaron qui parraine, s'il faut dire, c'est lui qui nous produit. Mm-hmm. Voilà. Ah oui, voilà. Très chers téléspectateurs, il n'est pas parti du bâton d'Aaron, il est au sein du bâton d'Aaron, mais il a un chant, Ekimelo. Voilà. Mais avant de parler Ekimelo, vous avez interprété également Nanou et Silité. Parlez-nous un peu de ce titre. Oui, nous avons interprété Nanou et Silité. C'était lors d'un concert qui s'est tenu à Betamax du côté Kenya. Mm-hmm, mm-hmm. Voilà, on a interprété Nanou et Silité. C'était un message, mm-hmm. que Dieu nous avait aussi donné et on a interprété. Voilà. Quelque chose de Nanou et Silité. Atana nuna zolumba solabampate namboka bokonzi ezozelanga na boloko ngai moya nolia bandoto boye nanda komokonzi esika na ngai soki Ismaela botami liboso elingi kolobate azwi héritage nanga soki pele ya weli esika na nga elingi kolobate nga Rachel na kobala te ama nasalelaki Mardoché makitae zoka mokonzi nanu alalaki te. Nanou et Silité. Nanou et Silité. Bika moi. Et Silité. Voilà. Ah! Mais ce que vous venez de chanter là, vous ne l'avez pas chanté dans ces concerts-là? Il y en a dans les concerts, il y en a. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de bien suivre. Alors, vous voulez dire quoi? Nanou et Silité, c'est un message. Vous savez, vous-même dans la Bible, les écrits déclarent, mm-hmm. un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mm-hmm.
tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Mm-hmm. Parce que Dieu est le Dieu des vivants. Mm-hmm. C'est un message que nous lançons déjà, c'est la Bible, c'est le message de Dieu très fort pour encourager quelqu'un, même à l'hôpital. Il est possible que tu sortes là-bas parce que l'hôpital n'est pas ta maison. Mm-hmm. Donc, tout n'est pas encore fini. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais mm-hmm. qui existent. Mm-hmm. Ben, si vous n'avez pas encore vu quelque chose, ne dites pas que vous, rien n'existe. Quoi que vous êtes malade, même si vous êtes à la mort, Dieu est capable de vous ressusciter. Parce que dans comme la Bible, il l'a fait avec Lazare. Voilà, Jésus a ressuscité Lazare de la mort après 4 jours. Mm-hmm. Nous disons, non, utilité. Quoi que vous êtes coincé, mm-hmm. il y a encore la possibilité de pouvoir revivre la gloire de Dieu. Mm-hmm. Cette fois-là, lui faire confiance et il agira. Est-ce qu'on peut dire que c'était également votre message, ce que vous avez vécu? Voilà, nous en avons vécu beaucoup de domaines, dans les études, et tout mmh. n'allait pas, mais Dieu a fait grâce pour nous enlever du lieu où nous étions. Mmh. Et nous avons réussi les études, et ce n'est pas aussi que ça, même du point de vue financier. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a montré combien il est fidèle. Voilà, quelqu'un qui a vécu quelque chose, a une expérience à apporter aux autres, bien sûr. Alors, ce titre, Nanou et Silité, j'espère qu'il vous bénit. C'est pourquoi on va prendre juste un petit extrait, bien sûr, de Nanou et Silité, avant, bien sûr, de parler, cette fois-là, Ekimelo, qui est l'autre titre, bien sûr, du frère Prince Moufankolo, que nous recevons sur ce plateau de fond musical. A tout à l'heure. Silité, Moluna Zambé, et Silité, Nanou et Silité, Bikamwa et Silité, Ataba Benginga, enfant de la rue, Nanou et Silité, Bolingo Nanzambé, et Silité, Nanou et Silité. Ataba wanga ninga na bande kwa libota e Nanou e silite Bolingo na nzambe e silite Nanou e silite Ata ozangi libota Nanou e silite Bolingo na nzambe e silite Nanou e silite Atali ba les ba problème Nanou e silite Ngolu na nzambe e silite Nanou e silite Ata mosala e zui ba problème Loba nanou e silite Ngolu na nzambe Esilite o Nanou esilite Ata oza orfela Yemba nzambo Nanou esilite Olu nanzambe Esilite o Nanou esilite Ata nambetu alopitalo Nanou esilite Pipina Yesu esilingu yate Nanou esilite Ataba botoli olopango Nanou esilite Bolingo na nzambe esilite Nanou esilite Atana tanga na ngai mingi ite Esilite Uya na papa Esilite o Nanou esilite Atana yebi nanou kote ya malamute Nanou esilite Olingo na nzambe Esilite o Nanou esilite Atana yebi yesu nanou malamute Nanou esilite Oh nanou esilite Nanou esilite Yes Oh nanou
silite na lua silite na lua silite bikamo esilite oh na lua silite wena papa esilite merci Seigneur Dieu présent. C'est que tu fais des passes mais entendement Jésus. Aucun que ça la pone en raison les la bateau. On s'en va quand il y a les la bateau. Ton monin a nous tes alliés. Alors dis-moi bon moi, allez qui cause un koufa. Voilà, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié la qualité vocale, bien sûr, du frère Prince Mufankolo aussi. De la profondeur de ce chant nanoessilité. Alors, Ekimelo. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour annoncer la célébration Ekimelo, mm-hmm. qui est le titre du chant qu'on a écrit. Mm-hmm. Et en passant, je veux dire, c'est aussi un chant qui sera qui va intervenir dans l'album dont nous sommes déjà. Mm-hmm. Au studio, mm-hmm. il y en a beaucoup de chants qui sont déjà publiés par mm-hmm. le pasteur lui-même. Mm-hmm. Et Ekimelo, c'est aussi un titre mm-hmm. que nous allons savourer aussi. Et Ekimelo qui va paraître dans l'album qui vient, groupe. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est venu comment? Ekimelo, c'est un passage de la Bible, c'est un message de la Bible, c'est une bonne nouvelle de la Bible. Mm-hmm. Nous le lisons à 1 Corinthiens 10, 13. Mm-hmm. Où le Seigneur nous dit quoi? Quoi que vous pouvez vous trouver dans des difficultés, quoi que vous pouvez vous retrouver dans le niveau où vous ne pouvez plus compter avoir quelque chose, de quoi que vous pouvez vous retrouver dans des situations difficiles, Dieu est capable, il est fidèle. Il dit, dans toutes circonstances ou dans toute tentation, il préserve un moyen d'en sortir. Quoi que dans l'hôpital, quoi que dans les accidents, Dieu est capable de vous accorder même un secours et vous sortez. Pour quiconque croit, voilà, c'est ça. Et Ekimelo, la voie de sortir, le couloir de sortir. Nous venons avec ces messages pour dire à quelqu'un... Le rempart. Voilà, les remparts. Quoi que vous pouvez vous retrouver dans les dimensions telles que vous dites, nous sommes déjà morts, mm-hmm. même là, Dieu est capable de vous en sortir, de vous faire sortir de cette situation. Et Ekimelo. Voilà, Ekimelo, vous connaissez Maman Laure Mbongo? Oui, oui. Vous avez déjà Maman suivi Laure. Sa chanson, Ekimelo? Oui, oui, j'ai déjà suivi. Ekimelo ya bato, esalise yo yawe, nakende lisusu api, soki na yo te yawe. Vous êtes inspiré sur ça, hein? Nous ne sommes pas inspirés sur ça, bien sûr, que tous nous nous inspirons dans la Bible qui est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous inspire par son esprit. Mm-hmm. Lui également, elle a été inspirée par l'Esprit Saint de la Bible. Nous avons tiré ces messages, comme j'ai dit, dans le livre de 1 Corinthiens, mm-hmm. chapitre 10, verset 13. Mm-hmm. Dans toute circonstance, dans toute situation, dans toute tentation, le Seigneur a toujours réservé un moyen d'en sortir, un moyen pour sortir, parce qu'il sait que nous ne sommes pas très forts et la tentation ne peut pas être au-delà de nos efforts. Exactement. Voilà, Dieu est fidèle, il nous donne toujours un moyen d'en sortir. C'est ça la bonne nouvelle que nous sommes en train d'apporter dans la vie de quelqu'un. Tu sais, il y a peut-être des gens à la maison, ils sont en train de souffrir, mais Dieu est là. Il suffit de croire, Dieu est là. Ce n'est pas l'endroit qui peut empêcher Jésus de pouvoir sauver. Vous savez, même dans le feu, quand Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans le feu, mm-hmm. le Seigneur s'est trouvé aussi là-bas. Dans le feu avec eux. Même dans le fosse au lion, mm-hmm. le Seigneur y est. Donc, nulle part ailleurs. Dieu est partout. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas quelque part où quelqu'un peut dire, non, ici, je ne peux rien. Il suffit de faire confiance au Seigneur. Vous avez déjà une voie pour sortir. Donc je pousse à quelqu'un de croire. Il faut pas te tuer. Faut pas te tuer. La mort, on ne peut pas appeler la mort vite. Bien sûr. Dieu a encore besoin de toi, comme nous avons aussi besoin de toi. Reviens à Dieu, reviens à Jésus-Christ. Un peu de courage. Le Seigneur est là, il va te sauver.
Voilà, le Seigneur est là, il va te sauver. Permettez-nous bien sûr de suivre l'extrait de Ekimelo, cette fois-là en version concert. Et nous revenons juste après pour ainsi mettre fin à cette émission fond musical de ce jour. Que je vous rappelle bien sûr, nous recevons le frère Prince Moufankolo. Il est membre du groupe Les Bâtons d'Aaron que dirige le pasteur Johnny Aaron Kabembele. Suivez. Que dirige le pasteur Johnny Aaron Kabembele. Suivez. Ben, vous avez suivi Ekimelo, une chanson également qui a béni le peuple de Dieu. Bien sûr, c'est le message de la Bible qu'on a chanté. Certainement, ça doit bénir quelqu'un et ça bénit, ça nous bénit nous-mêmes aussi. Voilà. Ça vous bénit vous-même d'ailleurs. Bien sûr, ça nous bénit nous-mêmes parce que c'est un message fort qui nous pousse à croire encore, même si on est coincé. Le Seigneur nous donnera toujours. Vous étiez coincé à quelque part et vous avez trouvé l'issue à partir du Seigneur. Oui, vous savez, nous sommes sur terre, il y a beaucoup de réalités. Exactement. Mais le Seigneur est toujours là pour nous faire du bien. Voilà, il est fidèle. Nous sommes là pour annoncer cette célébration. Ça va se tenir le 1er, le 1er septembre, à l'église Mogulgal. L'adresse est la rue Kabosesea, avenue Niembo, numéro 6. La référence, Polyclinique Moutoke. Voilà, en face de Polyclinique Moutoke. Alors,
Qu'est-ce qui vous a poussé à en faire toute une célébration? Et qui met l'eau? Bon, il est important de réserver ce cadre-là pour que le Fils de Dieu, les saints, se retrouvent pour voir Dieu en œuvre. Ceux qui ont vécu la main du Seigneur, qu'ils viennent célébrer Dieu qui les a donné cette voie de sortie, qui les a donné cette délivrance. D'ailleurs, je dis peut-être là déjà quelqu'un a vu un miracle. Qu'ils viennent ce jour-là, le premier, pour célébrer Dieu. C'est une manière de dire, Seigneur, tu nous as donné la délivrance et nous te donnons notre temps de te louer, de te célébrer. Vous voyez comme les enfants d'Israël, alors qu'ils quittaient l'Égypte, Pharaon a dit, faites attention, il y a un malheur en cours de route. Ils sont arrivés quelque part, la mer était là. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Ils ont pleuré, mais le Seigneur a dit, gardez silence, vous verrez ce que je ferai. Il a manifesté sa puissance. Et quand ils ont traversé la mer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont célébré. Voilà. C'est l'occasion qui est donnée à quiconque a vu la main du Seigneur de venir célébrer le Seigneur. C'est bien parce que, il se pourrait que quelque part aussi, tu verras quelque chose. Quand tu es conscient de ce que Dieu a fait, tu es reconnaissant et le Seigneur continue à manifester encore. Donc, on avait chanté Nanosilite parce que Ekimelo et Zali. Voilà, très chers téléspectateurs, on a chanté Nanosilite. Pourquoi? Parce que c'était en connaissance de cause, bien sûr, parce qu'il y avait un abri, il y avait un rempart sur lequel on pouvait compter afin de sortir du pétrin de la vie, afin de sortir du malheur qui peut nous guetter dans la vie. Voilà, donc Ekimelo, c'est ce titre que vous allez vraiment consommer sans modération. Pourquoi? Parce qu'il vous bénit, il vous apporte un message tout à fait clair. Alors, Nanosilite, Ekimelo, on dirait Ozakalinga la faune, hein? Bien sûr, moi, on est... C'est notre langue nationale. Bien sûr. Je chante à Lingala facilement bien qu'en anglais. Ah, donc vous pouvez facilement bien qu'en anglais. Ça veut dire que vous parlez déjà anglais. Non, pas trop. Je ne connais pas trop l'anglais. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons finir en musique, bien sûr, avec le frère Prince Moufankolo que nous avons reçu ici, l'homme de Nanosilité. Je ne sais pas comment il va combiner Nanosilité et Kimelo pour vous faire beaucoup de plaisir. Je vous retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Atana nuna zolumba solabampate, namboka bokonzi ezozelanga. Na bolo konga imo ya nolia bandoto boye, nanda komo konziye sika nangaye. Soki Ismael abota mili boso, elingi kolobate azu eritage nanga. Soki pele ya weli esika nanga, elingi kolobate nga Rachel na kobalate. Ama nasalela ki Mardoshe makitae, nzoka mokonzi nanu alala kite. Soki pe basaleli yo makita na mosala, Loba mokonzi nanu asalialite, nanu esilite, ejalie, ekimelo ejalie, ejalie, ekimelo ejalie.